Primak chomyo, zanmi internot nou yo, telespektateur, telespektatris. Ah, nou konen koman ke nou kontan anpil pou ke nou kapab antre la kayo pou nou prezante yo. E bel ti misyon sa ki se yon ti kose sou la vi sen yo. Jodi a se 21 novembre. L'exa fe memoir, se vre de la Bienheureuse Vierge Marie. Men gen plizyor saintou ke l'Eglise a fe memoir de yo. Parmi yo se... Saint Gelaz premier et c'est le même que nous allons voir ensemble sur la ville et pour que ça l'examen télé et saint pour que nous capables suivre comme modèle et dans la foi non pour nous capables conformer la vie nous avec l'évangile là même avec Saint Gelaz premier et Vincent on le tout même avec lui. Alors Saint Gelaz premier lycée un pape une non trois papes africains que l'Église catholique connaît. Yon nan trois papes africains. Donc, nous tout comprenons par là que l'Église a gagné des papes africains là-dedans. Et Gelaz premier, c'est quand le 9e pape de l'Église catholique est monté sous le pontificat dans l'année 492 et que le mourit le 21 novembre 496. C'est passé pratiquement 4 ans. Et il dit qu'il mourit dans la grande pauvreté parce qu'il était un homme de cœur, il n'est pas capable de souffrir du tout. Il était metté totalement avec Povio. Donc, c'était le principal travail, ça. Mais on dit que, avant même qu'il ait accédé à Pontificat, dès qu'on mettait dans le service et prédécesseur, qui c'est Félix III. Et Félix III, il a plusieurs coups de main, il a écrit en pile. Et après que Félix III va mourir, donc, pas de gain, soit gros problème, parce que le jour même, pape Gelaz Ier, Cal, monté sous pontificat, il devient pape. Mais pendant que le montait, il y a pas mal de difficultés qu'il a rencontré. Par exemple, il y a une grosse lutte en ce rapport avec le pouvoir et des politico-théologiques. Ou bien il y a un pouvoir qui a rapport avec le temporel et le spirituel. Donc Saint Gelaz premier a fait combat ça pour dire que le spirituel emporte sur le temporel. Temporel là c'est pour voir que eh bien emploi au gain dans mais yo et roi au gain dans mais yo mais je la première à dire que pouvoir ça c'est pouvoir temporel qui vient après et ça qui est important ça qui est essentiel là c'est pour voir que eh bien pape yo gain dans mais yo ça vient faire alors yo même yo gain pouvoir spirituel dans mais yo l'autre yo c'est fils l'église même avec toute l'autre chrétien qui c'est qui considéré comme les fils de l'église. Donc, tu as supposé capable de porter un appui à l'Église là. Si tu es capable, c'est tant mieux. Donc, si le pouvoir temporel est capable de porter un apport, un appui à pouvoir spirituel là, donc c'est tant mieux. Mais tu n'as pas besoin de faire la loi, tu n'as pas besoin de diriger et tu n'as pas besoin de soumettre le pouvoir spirituel là dans le bon gré, dans le bon vouloir. Donc, je laisse pour mieux faire comprendre que ça qui est plus important, plus gros pouvoir, bien que chaque là où il y a une liberté par yo. Il est indépendant vraiment. Mais, et, si vous soumission, tu as doué justement le pouvoir temporel là et non pas le pouvoir spirituel là. Donc, ça vient de faire un gros débat, une grosse lutte et politico-théologique qui est dans l'époque là, dans le moment, dans le temps. Et Pape Gelaz premier, tu as fait combat ça. Tu as battu toujours contre une doctrine qui c'est le monophysisme qui est plus accentué sur la seule nature de Jésus. Et, mais, lui-même, par rapport avec la foi qui proclame dans l'église, il fait comprendre que il y a les deux natures dans Jésus et ça ta bataille pour bataille, ta bataille pour contre Pélage également. Donc son paquet lutte que t'a mené qui a rapport avec doctrine de l'église catholique et qui a rapport avec politique qui t'a développé dans le temps. Donc je l'as premier te prend parti pour l'église là. Donc il fait avec cœur mais malgré le temps mené un combat intellectuel, un combat doctrinal qui a rapport avec la doctrine de l'Église là, mais tout humanité était très poussée et très développée la Kali par rapport avec l'amour qu'il était porté dans le cœur pour Zoïlio ou bien pour peuple bon Dieu confié là. Donc, Pape Gelaz premier bral mourir en dit, il y a 21 novembre et 496 et après il passait seulement 4 ans sous trône là, alors, dans le pontificat. Mais dans 4 ans, ça, il fait avec cœur, il fait bien, il fait propre. Il ne fait que, donc, l'exemple capable de présenter nous, je veux dire, comme modèle par rapport à la façon qu'il t'a vivre.
Et il t'a marqué vraiment, marqué tant par rapport au combat que tu as mené. Et en pile, écrit que tu as laissé derrière, tu as montré vraiment la spiritualité que tu as développée et puis fidélité avec la doctrine de l'Église catholique. Mais ça, il aurait été par rapport avec écrit que tu as quitté. Et combat tout que tu as mené à l'époque là, moi qui était témoin, qui était contemporain, lui, capable de. Et tu es capable d'entendre ça, témoigner de façon que le pape Jolas Ier, quand 9e pape de l'Église catholique, il y a 3 papes africains que l'Église connaît. Donc, combat ça que l'État mené. Je dis bon Dieu merci pour pape Jolas Ier. Et je dis même force ça, même détermination ça, que pape Jolas Ier a gagné la Cali. Une détermination qui fait que il était défendre la doctrine de l'Église dans propre, qui fait que nous avons une doctrine ça, que nous avons là, bien que le travail va continuer par rapport avec l'autre pape, par rapport avec et l'autre, on dit qu'il y a des théologiens qui prennent naissance en l'Église là, et défendent la doctrine de l'Église. Là. Donc, ça va continuer vraiment. Mais nous connaissons que pape Jolas, c'est un gros morceau. Et d'ailleurs, en plus, il y a des servi à l'autre qui devait prendre la relève pour être capable et affirmer donc la primauté du pouvoir et spirituel sur le pouvoir temporel là et puis après comment que en Jésus il y a deux natures, il y a l'humanité, il y a la divinité, une pas absorbée par l'autre et il était extrêmement enfin, réellement vrai Dieu et vrai homme. Donc nous disons Dieu merci pour sagesse que tu as déposé la caille pape Jolas Ier. Et intelligence que vous déposez la Kaili et tout service que vous avez dans l'église pour que nous puissions gagner ça que nous gagnons aujourd'hui. Et nous allons terminer justement avec la prière que l'église a retenue dans Joussa et à l'endroit de Saint Jolas Ier. Seigneur, tu le vois, nous sommes faibles et ne pouvons tenir. De grâce, fais que l'exemple des saints réveille en nous ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.